Et oui, vous êtes bien sur la chaîne VTT Club Vania. Aujourd'hui, petit concept, on se retrouve dans mon garage. On est samedi. On va préparer le vélo pour la randonnée de dimanche. Une randonnée organisée à Châteldon, un 35 km avec une petite partie enduro. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils appellent une partie enduro, je ne l'ai jamais faite, moi encore. Ça sera peut-être la seule sortie organisée par rapport au masque, au Covid. Alors là, on va faire un petit entretien. Le vélo a été déjà lavé. Vous avez passé ça, tout le monde s'est lavé un vélo. Il y a plein de vidéos sur YouTube où ils le font, je pense, bien mieux que moi. Du coup, on va faire un petit graissage de la chaîne. Les pneus, je les ai déjà vérifiés, ils sont neufs. C'est des Michelin Force XC. Franchement, ils ont fait 2-3 sorties, ils vont très bien. Graissage de la chaîne, la cassette, contrôle des freins, normalement c'est tout bon, regonfler la suspension, et puis le vélo sera prêt pour cette sortie, en espérant que ça se passe bien. Allez, on va passer tout ça en accéléré, et puis on se retrouve après. C'est parti! Bon ben voilà mes amis, et ben, le check-up est fait. Alors, graissage des joints, j'aime bien graisser mes joints de suspension. Tout ce qui est freinage a été vérifié avant. Pneumatique, comme je vous disais, sont neufs et gonflés. Du coup, on a regonflé un peu la suspension. On a remonté le support du petit. Vous savez que mon fils vient avec son petit fauteuil. Parce que ça touche... Je vais pas voir ça. Vous voyez ? Ça touche sur le brossillant là. Alors, du coup je l'ai remonté, bon ça a marqué un peu le vélo. Bon après c'est pas un vélo neuf, mais bon c'est un vélo que j'entretiens et que j'aime bien entretenir. Les réglages de vitesse c'était fait. Du coup le prochain entretien que je ferai, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec vous. Même s'il y a beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus. Je démontrerai la cassette, le nettoyage complet, la chaîne, le pédalier. Puis voilà. Du coup, et ben, moi, il est 19h là, passé. Je vais aller manger un bout, préparer les affaires, l'équipement pour moi. Et puis demain, rendez-vous, demain, lever à 6h pour un rendez-vous là-bas à 7h30. Alors pour toi, ben c'est tout de suite, et pour moi, c'est après une bonne nuit de sommeil. Allez, on se retrouve sur le départ. Allez, c'est parti, on arrive, on est un peu à la bourre.
Évidemment, au début de la sortie, ça fait 2 km qu'on fait, on fait que de la montée. Vraiment hard. Le bout de montée se termine. Quasiment 30 km de montée. Dès le début, ça fait bosser les jambes. Vas-y. Je suis dans rouge, Je suis dans rouge.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, je me suis vraiment régalé. On va faire un petit point sur la sortie. Alors, c'est une sortie de 36 km en 3h14 pour un dénivelé de 1079, une vitesse moyenne de 11 km/h. Alors, désolé pour la fin de la vidéo où c'est qu'il n'y a plus de son, mais après la descente enduro, type enduro, j'ai cassé le stabilisateur et la caméra a pris un pet ou a appuyé sur l'écran tactile et du coup a coupé le son. Alors plus de son pour la fin, mais il y a le plus important, les images. Voilà, vraiment une super sortie. Je crois que c'est l'une des meilleures sorties que j'ai faites et où j'ai pris autant de plaisir. Voilà, sur ce, ben n'oublie pas de t'abonner, de faire tourner cette chaîne, de liker, de commenter et puis de m'aider à faire monter cette chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine et puis surtout, faites du vélo. Salut !